Salut tout le monde, je m'appelle Albaran et je suis l'un des créateurs d'Opra Productions. Donc, Opra Productions, c'est quoi? Tout simplement, c'est un petit studio amateur, très très amateur, que j'ai créé avec mon acolyte Lorma en 2004 et qui s'appelait anciennement Opal Prod. Et donc, nous sommes spécialisés dans le court-métrage d'animation. Enfin, spécialisés, c'est vite dit, hein. On fait ça avec nos petits moyens et c'est pas toujours réussi. Notre tout premier projet est sorti en 2004 et il s'agit de Nasty Guardian Sailor Moon, qui est une parodie, hommage, on peut le prendre comme ça, de la série live de Sailor Moon, qui était sortie un an avant, il me semble. Et voilà, donc c'est vraiment à prendre au 72e degré. Mais ça nous a permis de faire nos armes et sur la technique, sur le doublage, etc., etc., etc. Côté réalisation, nous sommes deux, Lorma et moi, à la réalisation des épisodes et de tout ce qui est animation. Je suis en charge de tout ce qui est effets spéciaux. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que je veux dire de plus? J'ai chaud. Du côté des doublages, avec Lorma, nous doublons également. Et nous avons une équipe, une petite équipe d'une dizaine de personnes, un peu éparpillées dans le monde, qui prêtent leur voix à un ou plusieurs personnages de Nasty Guardian Sailor Moon pour le moment. J'ai oublié de dire aussi que notre première série, donc NGSM, ou Nasty Guardian Sailor Moon, s'est terminée cette année et compte à présent 10 épisodes qui sont disponibles ici sur YouTube, plus un hors-série qui devait faire partie d'un ensemble de 4. C'était un épisode par saison, mais par manque de courage, on en est resté à celui-là, qui était sur Halloween. Voilà. Et en dehors donc de cette première série, qui est clôturée depuis peu, nous avons aussi réalisé deux clips d'animation, deux clips musicaux. Le premier, c'était donc Point de Suture. C'est un clip que j'ai personnellement réalisé tout seul. C'était pour me faire la main sur d'autres techniques, d'autres méthodes d'animation. Et c'était un clip hommage à Mylène Farmer. Clip qui était disponible sur YouTube, mais qui a été malheureusement bloqué par la maison de disques pour des questions de droits d'auteur, ce que je peux comprendre. Voilà. Sur le net, quoi, sur Google, vous pouvez trouver le clip hébergé sur un autre site, hein, enfin, je pense. Hein. Le deuxième clip d'animation a été cette fois-ci une collaboration avec un chanteur belge, Greg Nashville, donc qui m'a confié la réalisation du clip de sa chanson Renaissance. Voilà, c'était un travail sur une année, contrairement à Point de Suture qui s'est déroulé sur 2 ans. Voilà, donc Renaissance qui est disponible ici sur YouTube. Vous pouvez le découvrir en intégralité. Et voilà. Je crois que je vais crever sur place. Excusez-moi. Donc, hormis les courts-métrages d'animation, nous aimerions bien faire aussi du live, une série live, pourquoi pas. Il nous faudra juste investir dans du matériel potable pour avoir une bonne caméra. Parce que, bon, celle que j'utilise en ce moment, c'est une mini-DV, et mini-DV, ce n'est pas une HD. Voilà, ça se voit, donc excusez-moi pour la qualité d'image, déjà. Mais bon, on fait ce qu'on a, on est fauché. Hein. Oui, donc et aussi cette chaîne ne sera pas une chaîne podcast. C'est la première fois que j'en fais une. C'est pas trop mon truc. Peut-être que s'il y aura des nouveautés à énoncer, je ferai un petit podcast comme ça pour l'annoncer. Mais pour l'instant non, hein, c'est pas trop. Je suis pas encore très très à l'aise devant, quoi. Voilà. Parce que ça a eu le nombre de fois que j'ai recommencé à mes séquences. C'est la loose, hein. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire déjà? Pour en revenir à notre chaîne,
Si vous êtes intéressé, donc vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Nous sommes aussi disponibles sur un blog officiel d'Opra Productions, qui est ici, là. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook et sur Twitter. Et dès qu'il y aura des nouveautés, elles seront ajoutées à cette chaîne automatiquement. Mais laissez-nous un peu de temps. Nous venons à peine de terminer notre série là. Donc nous travaillons actuellement sur des nouveaux projets. On en a une flopée en tête. Mais c'est sûr, quand on travaille à deux, c'est plus long pour tout faire. Donc, mais par contre, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, tout en sachant évidemment que c'est un projet complètement amateur, vous pouvez nous contacter par mail, ici, et nous pourrons voir si vous êtes dans l'animation, dans le doublage. On vous attend. Bah écoutez, je vous dis à bientôt, et j'ai plus rien à ajouter. Rendez-vous sur le blog, sur Twitter, Facebook, voilà, et vous en saurez plus sur nous et sur nos productions. Voilà, salut !